8h moins le quart, on vient de se réveiller avec le petit chou. Oui. On attend que les pipes qu'on chauffe. Ouais. Papa est parti conduire Sarah Luna au boulot. Papa est en repos aujourd'hui d'ailleurs, toute la journée. Mais oui, papa est en repos toute la journée. Donc voilà. Je dis ça y est, t'as pris ton bib et papa est rentré. Hein ? Et c'est la fête. Et ça va mieux. Ouais. Ça va mieux. Oui. Bien. Tadam. Oui. Est-ce qu'on la voit mieux la petite dent ? Est-ce qu'on peut ouvrir le bec ? Attends. Ah. Là, on voit. Lila, on voit un petit bout là. On voit un tout petit bout là. Maman est embête. Non. Non. Les courses aujourd'hui. Alors, du coup, on se fait un semblant de menu. Pas forcément précis, mais de ce qu'on voudrait bien manger cette semaine. Et c'était quoi ce bruit? Et pour moi, ce matin, c'est tartines avec un petit peu de beurre. Un petit peu beaucoup, peut-être. Mon tepanati avec un super message ce matin qui m'a bien fait rire. Pour que j'en ai pris une photo sur Insta, si on n'est pas censé grignoter au milieu de la nuit, alors à quoi ça sert la lumière dans le frigo, hein? Je sais pas si c'est là. Et quelques prunes. Mais j'avais préparé un comparatif, tu sais, par rapport au cake. T'as préparé tes fiches? Non. C'est de ma gueule. Je sais pas plus. Non, comparatif par rapport au cake, au gâteau qu'on fait. Ah oui, au niveau des recettes de cuisine. Les calculs. Voilà. J'avais calculé, je crois que c'était à vue de nez. Enfin, le calcul des prix, il faudrait déjà qu'on se rappelle du prix que ça coûtait avant. Justement, j'avais regardé sur internet, sur les trucs de drive, ouais. Tu vois les prix. Et je crois que le cake, un truc comme ça, un cake bio ou un truc comme ça, un marbré, ça revenait à 13 ou 14 euros le kilo. Alors que quand on le fait maison, ça revient à quoi, 2 ou 3 euros le kilo. Oui, vous voyez, on recycle les dessins, même les dessins les plus pourris. Mais toutes les feuilles sont recyclées. Avant de partir à la poubelle, le moindre recoin de dessin est optimisé. Sérieux, on peut plus avec son iPhone. Hein. Oh non, on va dire ton iPhone reconditionné chez Pat Market. Il est où le chargeur de mon iPhone reconditionné chez Pat Market? Voilà. Allez, ça y est. Oh, et des fois, c'est triste quand même. Il avait pas encore fait le clown. Alors pour la petite histoire, quand on est en mode de vie zéro déchet, comme vous pouvez le voir sur notre blog, je conseille fortement, mais très fortement, de faire des menus. Que c'est nettement plus pratique, surtout quand on débute la démarche pour savoir un petit peu, pour savoir quelle quantité exacte on a besoin. Nous, on a fait une entorse à ça pour plusieurs bonnes raisons. C'est que ça fait quand même plusieurs années qu'on est au zéro déchet. Aussi parce qu'on est une famille nombreuse, donc vous allez voir, pour tout ce qui est produit sec, je ne pèse rien. Je m'amuse pas à acheter pile poil un kilo de riz. Voilà, nous, on a un turnover qui est assez conséquent. Donc voilà, tout ce qui est sec, je ne m'amuse pas à acheter les quantités précises. Et aussi parce que Ted étant cuistot, s'il y a quelque chose qui traîne dans le frigo, vous imaginez bien qu'il sait tout de suite quoi en faire. Hein. Il n'y a jamais eu de gâchis. Il n'y en avait déjà pas avant qu'on soit au zéro déchet, donc il y en a encore moins maintenant. Donc voilà, mais surtout, si vous démarrez la démarche ou vous êtes une plus petite famille que nous, ça vaut vraiment le coup de faire les menus à la semaine. Donc nous, en général, ce qu'on fait, c'est comme on fait pas spécialement des menus, on met sur papier des idées de... La tête recopée au propre. Des idées de plats qui nous feraient envie pour la semaine. On sait pas quel jour on les fera exactement, mais voilà, on met des idées de plats et après, on sait... ça nous permet de savoir exactement ce qu'il faut qu'on achète. Donc là, par exemple, on a mis quiche à la courgette. Oh, c'est bizarre, la courgette. La courgette qu'on n'aura pas achetée. Hein. Cake aux légumes, lasagne de légumes, mimosa crue de thé, salade de pâtes, saucisse, lentilles, poêlée pommes de terre champignons avec de la tomate. Matière de courgette aussi. Tartine au thon et pâte carbo. Pour la viande, de toute façon, si on veut en manger, bon là, il y a la poitrine. Il y a les œufs, il y a la salade de pâte, des fois on met, s'il reste des saucisses ou quoi que ce soit dedans, mais ça, on met des œufs. Oui, c'est salade de pâte améliorée. Là, il y a de la saucisse. Oui, il y a de la saucisse. La poêlée, non. Les tartines, bah, c'est du thon. Ouais. Les pâtes carbo, il y a des lardons. Mais oui, il y a des lardons. Alors, si jamais on a un petit peu de veau au congélateur. Le veau congèle en plus. Bah, là, le veau qu'on congèle exceptionnellement parce que c'est un gros colis de veau, mais sinon on congèle pas la viande. Là, il y a que 9 repas sur 14.
que oui, c'est pareil, hein, par rapport à la viande, on a réduit considérablement notre consommation. Il y a pas mal de repas où on mange pas de viande, on mange juste du féculent ou des légumes, voilà, ça, c'est assez fréquent, notamment le soir. Donc du coup, comme on a réduit de manière conséquente notre consommation, mais du coup, ça nous permet de manger de la meilleure viande. Et ici, on a moyen dans le village d'avoir du veau à la ferme de Claire, de l'Amour et dans le Pré. Et du coup, bah voilà, là c'est exceptionnellement, on le congèle parce qu'on achète en plus grosse quantité. Mais sinon, on congèle pas de viande. Pour moi, c'est un sacrilège de congeler la viande. Donc enfin, voilà. On l'utilise très très vite. Mais voilà, là, on est obligé de le congeler parce qu'on l'achète en plus grosse quantité en fait. Bon, finalement, après réflexion, je me dis que je vais pas aller au marché ce matin parce que c'est pareil, on est toujours en train d'optimiser nos trajets, etc. Et comme je dois aller acheter ma viande demain sur un autre marché, parce que je vous explique, c'est de la viande qu'on achète directement aux abattoirs. Et on a le camion des abattoirs qui vient sur un marché du coin, et c'est le mardi matin. Donc je me dis que voilà, je vais aller acheter mes légumes demain matin sur ce marché-là. Tu fais quoi? Je mets les prunes, on fait dur. Ouais, j'ai intérêt d'aller en cueillir, moi, pour moi. Bah, pour mon petit déjeuner. Bah t'as l'arbre qui est là. Comme j'ai fait hier pour les tomates quoi. Bon, du coup je me prépare à partir. Ce petit truc là est debout, ça y est. Oh la tambouille. Oh. Il trempe son gâteau dans son jus de rhum. Donc comme vous le voyez, voilà. Alors là il n'y a pas les bocaux. Hein. Ah, donc voilà, ça c'est notre cargaison de sacs à vrac. Alors, comme vous voyez, j'ai du choix. Et ça me permet d'ailleurs de les laver au fur et à mesure. Alors oui, ok, je vous l'avoue, le contenant, moi-même, il m'horripile. Donc voilà, j'ai toute une panoplie. Donc en général, je prends le sac entier. Et puis avant de descendre de la voiture, j'en prends quelques-uns. Donc voilà, il y a des tote bags. Ah, il y a des trucs publicitaires, hein, mais je m'en fiche royalement. Parce que pourvu que ça me permette d'acheter en vrac. Donc voilà, je prépare ça. Ma liste pour m'orienter. Il va me falloir du. Tu penses à autre chose? Il me faut du savon de Marseille aussi pour refaire de la lessive. Je vais faire en fonction de la. C'est tout vide. Je vais me faire une mini liste vite fait à la rigueur avant de partir. La semoule, il n'y a que ça. Le riz, il n'y a que ça. Du sucre, il faut que je fasse le plein. Oui, toutes les confitures et tout, il n'y a plus rien. Tout ce qui est sec et tout, noisettes et tout ça, on a encore. Ouais, du café. Café, oui, un petit peu. Faut que j'entraîne. J'en mets un là, puis j'en ai encore un derrière. Mais... Oui, surtout que le café de la boutique bio, il est meilleur que celui qu'on a acheté dernièrement. Oui. Bon, voilà. Je vais faire une liste au moins pour ça, pour savoir exactement. Parce qu'il y a des fois. Finalement, on va peut-être même optimiser encore plus. Parce que j'ai vraiment pas grand-chose à acheter en vrac. Donc, on est en train de voir avec Ted. On fait un schéma vite fait du schéma électrique de la chambre des gamins. Parce que je pense que je vais passer au magasin de bricolage qui est juste à côté de la boutique bio. Pour voir le nombre de prises qu'il nous faut pour la chambre des ados. Une prise encastrée là. Parce que finalement, ma liste de courses au vrac, oui, ça va être des grosses quantités, mais c'est pas si énorme que ça. Bon, après, il faut compter version famille nombreuse. Hein. Alors, du coup, je vais passer au magasin de bricolage et puis on va optimiser parce que j'ai quand même 40 minutes de route. En comptant normal, on ne fait jamais le trajet exprès parce que en période scolaire, j'optimise mon temps pendant que Sarlona va à la danse, sachant que depuis son cours de danse, je suis qu'à un quart d'heure. Donc on optimise jusqu'au bout. Là, c'est exceptionnel, c'est des grandes vacances, on fait le trajet exprès. Mais bon, après, voilà, faut bien manger. Il fait des bricolages, en fait, t'as pas le choix, il fait des magasins. Oui, de toute façon, il faut. Oui, c'est vrai qu'avec le recul, il te faut les. Il te faut. Il faut les vis et tout, donc voilà. Bah, deux secondes, je suis pas partie. Oh, arrête. Bon, allez, let's go. Je décolle. Les filles dorment toujours. Il est quelle heure là? 10h20? Ouais, 10h20. Salut, il est 10h20, les deux petites dames toujours, Paulino aussi, donc voilà, et moi je pars super en retard, comme d'habitude. Moins 5, je viens d'arriver à la boutique bio pour acheter mon frac.
Il est 11h20. Je viens de sortir avec mes courses. Bon, voilà, je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure. Allez, direction le magasin de bricolage pour acheter ce qui nous manque. Voilà, il est midi 5, je viens de sortir du magasin de bricolage. Donc là, vous les voyez, hein, les limites du zéro déchet. Tout ce qu'on achète est emballé dans du plastique, tout ce qui est électrique et tout. Ça, ça fait peur. Mais bon, il n'y a pas le choix, hein. Il y a des choses, voilà, hein, faut pas... C'est pour ça que je dis toujours, le zéro déchet total, pour moi, ça n'existe pas. On est presque zéro déchet. Voilà, du coup, on va ranger les courses qu'on avait fait ce matin à la Biocoop. Voilà, on va préparer les bocaux. J'ai triché un peu, hein, j'ai déjà préparé. Alors, pour vous donner une petite ordre d'idée, voilà, le sucre, au fil, on a acheté un peu plus de 5 kilos. Il est à 2,90 au kilo. La prix du café, le café moulu. Bon, là, on a pris du bon. C'est vrai qu'on a pris du bon, parce que nous, on l'aime bien. Il est à 16,90 au kilo. On a des boissons au lait de soja juste ici. Alors là, c'est une première. C'est la première fois qu'elle en prend. Il a 2,50 le kilo. On va essayer. Il faut savoir que Intermarché en plus c'est un petit peu moins cher. Alors on va juste comparer justement pour voir un petit peu le goût. On a pris du riz aussi. Du riz, on a presque 3 kilos. 3,84 le kilo. Les lentilles, on en a pour un bout de temps. Il y en a 2,6 kilos. 4,40 le kilo. Des lentilles en plus du Gers. De la semoule à couscous, elle est à 2,60 le kilo. Elle est juste ici. Et voilà à peu près tout. On a fait les pâtes. Ouais, les pâtes, là, entre 1,80 et 89 le kilo. Hop, là. Celui-là, c'est des complets. Elle a pris aussi de la levure. Est-ce qu'on va faire de la levure? Elle a pris un petit extra. C'est des petites cacahuètes. Un petit extra. Et puis, bah, elle a pris des produits d'entretien pour refaire sa lessive. Alors, pour vous donner une petite idée, là, en tout, on en a pour 97 euros. Sachant qu'on a pas mal quand même de sucre, de féculents. Et puis bah, le savon et produits d'entretien, le savon, il y en a déjà pour presque 6 euros. Voilà, une fois tout rangé, vous vous rendez un peu mieux compte. Là, en fin de compte, on a tout ce qui est tout ce qui est lentilles, tout ce qui est pâte coquillette, semoule, les penées. Ça, c'est tout le sucre. Ça, c'est tout le café. Bon, là, on a les cacahuètes, on a la poudre d'amande, le lait, les produits d'entretien et les levures. Voilà, à jouer avec son frère et mine de rien, hop, à tape dans le plat. Pris en flag. Ah, les chiens, faut pas les chats. Hein, elle a fait mine de rien. Elle s'est assise à la bonne place, hein, tu me diras. Hein. Bah oui. Toc. Hop, et je repique. Ah. Je me fais prendre en flag, est-ce que je vais le faire ou pas? Je fais style, je rigole avec mon frère. Et voilà, ding! Allez, ça c'est fait. Bon, j'étais en train de nettoyer le poulailler, j'ai laissé la porte du parc ouvert. Du coup, voilà, les filles sont en train de rentrer les poules, pour y connaître. Ils ont juste à les pousser au cul, et puis regarde. Hop, ils trouvent le chemin, ils savent que... Voilà. Ça veut rentrer. Allez, pendant ce temps-là, moi, je vais cueillir des courgettes. Je crois qu'il y en a, notamment. Voilà. Allez, accueillite. Par contre, ouais, sérieusement, l'année prochaine, il faut qu'on en plante moins. Hein, parce que là, on a fait 15 pieds. Bon, c'est la première année. Hein. On a fait 15 pieds de courgettes, mais les gamins, ils vont nous maudire. Hein, parce que là, par contre, on voit sur... Alors ça, c'est déjà un pied qu'à donner, mais on voit... Là, il y en a encore deux à préparer. Là, troisième. Et toutes les fleurs, en fin de compte, c'est des courgettes. Alors regardez le pied là que j'ai juste de cueillir. Toutes les fleurs que vous voyez jaunes, ça va être des courgettes. Alors ça c'est que sur un pied et ça refleurit. Dès qu'on cueille, ça refleurit. Et il y a des fleurs de partout. Alors, côté tomates, c'est encore un peu timide. On a les premières tomates cerises qui commencent à arriver. On n'aura pas assez pour tout le monde. Mais je dis rien, il n'y a personne qui me voit. Je goûte avant. Mais... Des bons goûts. Bon, la cueillette du jour. Voilà. Et bon, ça continue à pousser hein, dans le potager. L'aubergine qui commence. Ça grossit, ça grossit. Il y en a plein de petites là. Ça pousse, ça pousse. Arrête! Dis!
crapaud. Le crapaud. Et tu fais quoi? Bayou. C'est ça. Okay. Bon, dernière vidéo de la journée. J'en ai chaotique aujourd'hui. Hein. Oh, pétard. Ouais, compliqué. Voilà, du coup, j'en ai un bout pour moi aussi, hein, je vous rassure. Ouais, pas beaucoup, c'est la santé après ce soir. Oui. Enfin, du coup, mais compliqué cette journée. Ça me saoule cette connexion. Enfin, voilà. Bref, ceux qui nous suivent sur Insta et sur Facebook ont plus de détails. Mais pour la petite histoire, on a une connexion internet de M. Ici, c'est compliqué, on est en zone grise, on n'a pratiquement pas de débit, on a changé de box internet il y a très peu de temps. Nouvelle génération, comme il dit, sauf qu'on n'a pratiquement plus de débit, c'est une cata. On a appelé l'assistance, qui nous ont passé de 1, quelque chose de débit, hein. Pourquoi on n'avait que ça, je sais pas, à presque 4. Ouais, bof, on attend de voir. Et il y a un technicien qui vient mercredi pour voir, parce que de toute façon, il y a un défaut sur la ligne. Ah, ça aurait peut-être été bien qu'ils nous le disent avant de nous fourguer une nouvelle box, mais bon, bref. Enfin, voilà, journée compliquée, j'ai perdu un temps fou avec ça. Je devais faire du shampoing, filtrer ma menthe pour mon sirop. Je devais fabriquer du dentifrice et tout. Et du coup, bah, j'ai bouffé ma journée à ça. Donc, voilà, là, je bosse encore un petit peu. On va se coucher et demain, ça sera un autre jour. Parce que là, ça m'a bien saoulé quand même. Les travaux n'ont même pas été faits du coup. Les travaux n'ont même pas été faits. Bon, j'étais plus en cuisine. Alors, ouais, très compliqué. Voilà. Du coup, Ted a pris la relève pour tout le reste. Et du coup, il a perdu du temps lui aussi. Voilà, journée compliquée. Mais bon, c'est pas grave. Demain, ça ira mieux. Hein ? Demain, ça ira mieux. Allez. Hein ? Allez, à demain. Allez, salut. Ciao. À demain.